imprenable. Ouais. Celui qui a terminé 7e du Down Under. Ça y est, nous y sommes au pied de cette difficulté. Dernière fois que les coureurs de cette édition 2020 vont l'emprunter. Et on commence d'ores et déjà à monter. Alors, est-ce que Simon Yates va prendre va passer quelques coureurs pour venir se replacer? Mats Pettersen est en difficulté. Hein. Au sud, c'est terminé pour lui, on l'a vu. Le coureur de Mitchelton Scott s'est écarté, normal. James Piccoli également dans les dernières positions de ce groupe. Qui est-ce qu'il y a sur le tempo? Toujours le jeune coureur Nick Schultz. Il fait un sacré boulot, hein. Nick Schultz, depuis le début, lui aussi ne compte pas ses efforts. Lui qui a été échappé sur la Torquay Race. Nick Schultz, l'ancien sociétaire de Carrar Oral, l'ancien sociétaire des 4 chemins de Rouen, lui aussi formé en France. Et là, il y a une petite cassure, attention. Ça explose là, hein. Ça explose, Marco Haller, un peu plus de mal, le coureur de la Bahrain. McLaren qui se fait un petit peu distancé. Et ça y est, Nick Schultz s'écarte, il prend la température auprès de Daryl Impey. Non, il continue. Peut-être a-t-il eu l'indication du champion d'Afrique du Sud. Ça y est, il s'écarte ce coup-ci. Alors, Daryl Impey maintenant qui impose ce tempo. Un rythme assez soutenu. Là, c'était pas une accélération franche, hein. Ça veut dire sans doute que l'équipe Mitchelton Scott compte tout simplement sur Simon Yates. Peut-être aussi, oui. Et là, si on n'a pas d'accélération, pour l'instant, on a encore les deux principaux sprinteurs qui se figurent dans ce groupe, à savoir Viviani et Caleb Ewan. Les deux coureurs les plus rapides sont là pour l'instant. Et là aussi, c'est une information importante, hein, Nathan Haas qui vient rouler. Elia Viviani lui a sans doute dit, ah, voilà. Je me sens bien. Là, l'attaque, yes. L'attaque de Simon Yates. À gauche de la route, c'est bien vu. Il a pris à l'autre côté du terre-plein. Pris en chasse par le coureur de l'équipe Ineos. Sivakov. Ouais, Pavel Sivakov qui essaie de revenir sur l'homme de tête. Et le peloton, vous le voyez là-bas, le peloton va quasiment battu maintenant, hein, avec 35 secondes d'avance. Les hostilités, elles se passent à l'avant de la course. Persteiner, ah ouais, impressionnant. Impressionnant. Persteiner qui est passé professionnel. Il y a très peu de temps, qui s'est mis à la compétition cycliste en 2016 et qui n'en finit pas de surprendre. Allez, l'accélération encore de Simon Yates. Quel retour de Dries De Vreeland aussi, qui a revenu facilement, hein, qui a bouché le trou. Et c'est sans compter sur le retour également de Pavel Sivakov, hein, qui est facile et il fallait s'en douter. Pavel Sivakov, excellent sur la Torquay Race. Dries De Vreeland en 3e position. 6 hommes en tête maintenant. Impey, McCarthy, Koekkoek, Dries De Vreeland, Sivakov et Yates. Ah, ils ont fait un bel écart, alors que Persteiner tente de boucher le trou, ça va être difficile. Avec Van Baarle, il me semble aussi. Persteiner ici, et je pense juste derrière, ça va être Van Baarle, voilà. Van Baarle qui va tenter de faire la jonction. Le rouleur. Un petit peu plus difficile pour Dylan Van Baarle. Caleb Ewan n'a pas pu suivre dans cette montée avec Piccoli. C'est normal, hein. C'est pas vraiment l'avantage des sprinters. Ils ont monté fort, hein, les puncher grimpeurs. Hein. Yates, Sivakov. Mais que dire de la stratégie de l'équipe Mitchelton? Parce que là, Simon Yates, c'est vraiment pas le plus rapide, hein, parmi ses hommes de tête. Il a Daryl Impey quand même, hein, qui figure là. Ah oui, Daryl Impey qui a réussi à s'accrocher. Il a réussi à s'accrocher. Donc là, Impey, c'est certainement le plus rapide avec peut-être Koekkoek. Jens Koekkoek, le coureur belge, qui a une très belle pointe de vitesse aussi. Donc là, on a 6 hommes maintenant pour la gagne. Et regardez le peloton pointé à plus de 40 secondes. Jay McCarthy, c'est pas mal non plus. Oui, là, on a des coureurs plutôt rapides. Donc les moins rapides, ce serait peut-être, bah, c'est sur Sivakov, De Vreeland, c'est Yates. Ah, Sivakov, ouais. Face à des Koekkoek ou à des Impey, Sivakov ne peut pas rivaliser, je pense. Après, Sivakov avait remporté cette fameuse étape autour des Alpes, mais c'était un final relativement tortueux. Ouais, et puis il est arrivé à 2 ou 3 seulement, il me semble. Bon. Allez, De Vreeland, McCarthy, Sivakov, Impey, Yates et Koekkoek. Normalement, le rôle maintenant que devrait avoir Yates, c'est se mettre au service de Daryl Impey. Hein, on a passé là-dessus. Bon, il reste une petite difficulté, hein, qui n'est pas répertoriée. Certes, qui ne dure pas longtemps, mais qui peut créer une brèche, hein, si on attaque. C'est peut-être ce que pense faire Yates en restant à l'arrière. Alors là, il va essayer de boucher le trou, je pense. Ouais. C'est un joli mélange, hein, ouais. Entre coureurs de grand tour, c'est ça, et
tenter aussi de refaire la jonction qui est à 10 mètres derrière. Et là, on va avoir tout de suite une attaque de Kukeler avec Van Baal qui prend tout de suite la roue. Il venait de rentrer et aussitôt, il saute dans la roue du coureur belge, Yann Kukeler. Là, c'est la portion qui remonte, qui n'est pas simple du tout. Kukeler, il a l'air fort quand même. Yann Kukeler sous ses nouvelles couleurs, lui qui a passé un grand nombre d'années au sein de l'équipe.